Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un peu particulière. J'avais même pas vraiment prévu de la filmer, mais je me dis qu'il est temps qu'on se parle un peu de ma présence sur YouTube. Oui, je suis en haut de sport et j'avais la flemme de me changer. Bref. Dans cette vidéo, je voulais un peu qu'on parle de ma chaîne, de l'avenir de ma chaîne, d'un peu vous parler de ce qui se passe en ce moment, de comment je vais, enfin voilà, de vous faire un petit update. Encore une fois, c'est une vidéo hyper spontanée que j'avais même pas prévu de filmer aujourd'hui. J'ai plus énormément de batterie donc je vais essayer d'être assez rapide, même si on sait tous que j'ai du mal avec ça. Tout d'abord un petit coucou parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas posté, j'ai pas filmé. Ça fait peut-être pas si longtemps, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai commencé mon stage de 3e année chez Voluderm, je sais même plus si je vous en ai parlé sur YouTube. Ça se passe très bien, voilà, j'en ai encore pour environ 5 mois, enfin jusqu'à fin août. Ça se passe bien, j'aime beaucoup ce stage, je suis avec des gens très sympas avec qui je m'entends bien. Voilà, j'apprends pas mal de choses, enfin pour le moment je kiffe bien donc je suis vraiment hyper contente. Et à côté de ça, il faut sérieusement que je commence à écrire mon mémoire, que j'ai toujours pas commencé. Et voilà, donc je suis en stage à plein temps, donc j'ai fini mes cours et donc à plein temps, ça veut dire que j'y suis de 9h à 18h, que j'ai quasiment une heure de trajet le matin et une heure de trajet le soir. Donc ça fait des semaines bien remplies, même si je ne me plains absolument pas puisque j'aime bien. Mais voilà, mes journées sont bien bien remplies. Et forcément le week-end, j'ai envie de profiter pleinement de ma vie, surtout qu'en ce moment, ça y est, fait hyper beau sur Paris. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, là c'est juste le temps idéal que j'adore, donc je suis hyper contente. Bref, ça, voir mes amis, faire des sorties, profiter, ça fait que j'ai de moins en moins de temps pour tout ce qui est YouTube, blog, etc. Et donc je vous en ai déjà parlé un petit moment, je vais arrêter, je vais arrêter YouTube en mode youtubeuse, si je puis dire. C'est-à-dire que je ne vais plus vous dire que je vais poster une vidéo par semaine, que je vais faire des vidéos régulières, etc. Que je vais vous faire des Get Ready With Me, que je vais faire tout ça. A priori, tout ça, c'est plus ou moins terminé. Je dis plus ou moins parce que j'ai beaucoup de mal à dire que c'est définitif. parce que ça fait quand même très longtemps que je suis sur YouTube et... ça me fait bizarre de me dire que je vais plus le faire comme avant. Voilà, mais je pense que vous comprendrez que plus on grandit et quand YouTube c'est pas notre métier, plus ça devient difficile en fait de tenir une chaîne. Et j'ai décidé de davantage me consacrer à d'autres réseaux plutôt qu'à YouTube. Donc me consacrer davantage à mon blog que j'ai envie de refaire cette année. Et au reste de mes réseaux, en particulier Instagram, vous savez que je suis toujours très très présente. J'adore toujours autant Instagram, donc pour ça il n'y aura pas de changement. Mais voilà, je voulais vous prévenir que il y aura plus de vidéos toutes les semaines forcément sur ma chaîne. Enfin voilà, j'arrive plus de toute façon à tenir le rythme, je n'arrive plus à avoir des idées de vidéos, je suis rarement satisfaite quand je sors une vidéo, j'ai l'impression de faire toujours la même chose. De vous parler toujours des mêmes produits et qu'il y a de toute façon des choses bien plus intéressantes à regarder sur YouTube que mes vidéos. Même si je suis très attachée à ma communauté, voilà, il y a des abonnés qui sont là depuis très longtemps et voilà, je vous aime beaucoup. Je me suis attachée à tout ça, mais c'est juste que concrètement ça devient impossible d'être partout à la fois et de faire les choses bien et voilà, je me suis un peu lassée, YouTube ça fait depuis que je suis au lycée que je fais des vidéos, donc ça fait un bon moment, ça fait au moins 5 ans je dirais, et je commence à avoir un peu fait le tour du truc, et j'ai l'impression que je peux pas faire grand chose de plus. Voilà, donc c'est un peu pour l'info, alors ceci n'est pas ma dernière vidéo sur ma chaîne, je suis pas en train de vous dire bonjour, au revoir, c'est fini, ciao. Il se peut que je poste des vidéos de temps en temps sur ma chaîne, que je poste
développe par exemple si je vais dans des endroits sympas, puisque j'adore vlogger quand je pars en vacances quelque part. Ça me fait un souvenir pour moi, pour ma famille, pour les gens. Donc ça, le jour où je partirai quelque part, je ferai une vidéo et je la posterai ici. Ça, voilà, le jour où j'ai vraiment un truc important dont je veux vous parler, je ferai une vidéo sur YouTube. Mais a priori, ça va devenir très 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 rare de voir des hauls, des favoris du mois, des choses comme ça sur ma chaîne. Je pense que je vous ferai peut-être encore une dernière vidéo où je vous présente quelques produits que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Mais voilà, ce sera à peu près tout. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. je pense que voilà, YouTube à un moment c'était vraiment un moyen pour moi de combler une certaine solitude, voilà, de m'occuper. Et j'ai plus forcément ce besoin de rien en avance, qui est plutôt une bonne chose, puisque j'ai plein de choses à faire dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Mais voilà, je suis toujours très attachée, donc c'est pas un arrêt vraiment en mode il n'y aura plus jamais de vidéos, je vais pas supprimer ma chaîne, les vidéos seront toujours disponibles, mais voilà, c'est juste pour vous dire que je serai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présente ici. Mais je serai toujours présente sur le blog et sur Instagram, donc pour ça ne change pas. Et si vous voulez me voir en mouvement, je poste toujours sur mes stories. Mais voilà, enfin, j'espère que vous comprendrez cette décision de ne plus faire YouTube aussi régulièrement. Voilà, je voulais vous en parler pour pas que vous posiez des questions, madame, elle a pas posté depuis longtemps, etc. Voilà, c'est juste que ça devient un petit peu compliqué. Ou si je fais des vidéos, je veux vraiment que ce soit des vidéos bien tournées. Et ça devient de plus en plus difficile de trouver le temps pour. Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris. C'est comme ça. Mais encore une fois, je ne disparais pas de la circulation. Donc j'espère que ça vous fera pas trop de peine si jamais ça fait de la peine à quelqu'un. En tout cas, je voulais encore vous remercier. Voilà, bon, je ne fais pas de discours final, de fin, etc. Puisque c'est pas non plus un truc hyper net, clair et précis. Mais en tout cas, j'ai adoré poster des vidéos hyper régulièrement. Et voilà, c'est pas un adieu, c'est plutôt un semi-au revoir pour vous dire que je serai là moins souvent. Mais j'espère que vous comprendrez. Voilà, j'ai plus envie de me sentir entre guillemets forcée de poster des vidéos. Donc voilà, moi j'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas à me dire comment vous allez dans les commentaires. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les autres réseaux, Instagram, le blog, etc. Et je vous souhaite un super week-end et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao!